C'est François de la Taille qui est avec nous ce matin encore. Ça va, François ? Ça va pas mal. Attention, les amis, on tient peut-être le tube de l'année, cette chanson. Vous la connaissez peut-être pas, mais sachez que vous allez déjà l'avoir toute la journée dans la tête, et peut-être même toute l'année dans la tête. Il s'agit du tube anti-coronavirus. Cette chanson, c'est génial. Cette chanson, elle sort pas de nulle part. En fait, c'est une reprise d'un tube de Min et Eric. Alors, Min et Eric, c'est deux stars de la V-pop, la pop vietnamienne. En fait, version de Jaja. Voilà, exactement. Alors ça aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur... On frotte, on monte les mains, on monte les yeux et la bouche qu'on ne doit pas toucher. Voilà. Et donc cette chorégraphie, elle a été reprise des millions et des millions de fois sur TikTok. Je vous vois tous rigoler, mais sachez que vous en serez bientôt tous comme ça en soirée. Donc, Je suis pas sûr. J'hésite. La question. Moi, je garde les sacs. Ouais, regardez. C'est pour ça. Et on se frotte au-dessus, Donc la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça marche? Eh ben, c'est assez difficile à dire, forcément. Mais je vous ai quand même sorti les chiffres de l'épidémie au Vietnam. Regardez un petit peu. Donc, au Vietnam, un pays de quasiment 100 millions d'habitants, il y a 16 cas, 16 guérisons, sachant qu'ils partagent quasiment 1300 km de frontière avec la Chine. Peut-être que la V-pop est en train de sauver le pays du coronavirus. Comme quoi. Merci, François.